Putain, faut pas qu'elle entende ça. Bon ben salut, c'est Dark Gim, c'est ça ou Dark Grim? IGM. Non, j'ai lu le truc il y a 30 secondes, il y a Dark. Mais Dark, ouais. appelle le maître Gims, hein, c'est bon, t'inquiète. Ouais. Ah mais c'est déjà Alzheimer, hein. Ouais, Ah c'est bah, dur, hein. à mon âge, hein. Oula, c'est plus bas Oh, niveau, celle-là, oh non? putain, si vous regardez la formation là, c'est joli. On Ouais. fait un genre de mini trident. Bon, moi Oh, dis-moi. je vais suivre Lou, c'est pas compliqué parce que Lou il récupère tout ce qui passe. Je sais pas comment il fait Lou pour être doué dans tout. Man. C'est juste pénible. Est-ce qu'un Niagara, je peux me le faire en one-to-one? C'est Oui. compliqué, je pense que c'est Ouais, jouable, c'est jouable. mais Hein. il risque de te faire quand même assez mal. Ok. Bah, le Niagara, c'est que de la carreau en plus, hein, donc si tu restes à distance, oui, mais sinon tu vas prendre cher. Le problème du Niagara, c'est qu'à distance, il est très bas sur l'eau, donc ça va être une cible compliquée. Or, Ok, bah en je vais attendre Rattlesnake, que vous l'ayez amoché. en général, le temps qu'on l'ait amoché, il est mort. Hein. C'est ça Non, le là, il y a le problème. temps, là, quand même. Là, faut que tu repères une cible qui a déjà bien pris sur un flanc et tu t'acharnes sur le flanc. Essaye de me suivre. À la limite, essaye de me suivre, on va focus ensemble. T'es où? Marche Lou, attends, j'essaie de repérer. Loup, c'est celui Bah, je qui est suis tout devant. droit devant toi, là, en fait. Yes. Tiens, un peu, on va laisser passer les autres. Reste avec moi et je vais te, on va faire les cibles ensemble. Non, 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 moi je te suis aussi, hein. Là. 10 assists, je veux voir la maîtrise, hein. Je sais pas comment tu fais. Tu dois avoir des chewing-gums magiques C'est ça. pour que les navires ils viennent se recoller à toi. Ah, faut quelqu'un. Ouais, bon, Ouais, après c'est dans en la même temps, ouais, manœuvre. j'ai envie de dire, t'emmerdes pas trop. Il vaut mieux que j'aille chercher les opportunités là où elles vont se présenter, Hein. Je comme vais te les tout à créer l'heure. les opportunités, t'inquiète pas en fait. Écoute-moi, gala. Il dégouline de réussite, c'est juste injuste. Non, mais reste dans les parages, on va essayer de. Ouais, Reste bien dans les rendu. parages, ça va bien se passer, tu vas voir. Ouais. J'ai pas entendu, Joe, t'avais de la moquette sur le micro. Non, non. Un gros garçon comme toi, je vais pas lui rentrer dans le cul. Oh, ça sent la tentative de percussion là. Ah oui, ah. Oh putain, oh il vient vite hein. Et voilà, j'ai Oh pris la vache! percussion. Oh merde! Ah, du coup, c'est moi qui ai pris l'XP pour le choc, quoi. Bon, il a perdu son beau-près quand même, hein. J'aime bien comment Joe continue, genre, même pas mal. Hein. Ça va, ça en fait, je t'ai pas en micro, Ça va, je suis bien. Putain. Mais ce blob J'ai informe. adoré ma manœuvre. Ouais, bah j'ai moi kiffé le mec a essayé de me faire le beau prix là, John Kenway. J'ai réussi à t'emmener dans un vieux guet-apens. Ah, ça va, ils avaient pas d'angle. Heureusement. Hein. Ça va, Philippe, t'as réussi à passer? T'es où là? Putain, les mecs, arrêtez de tirer avec votre fumée, je vois plus rien.
sur ma droite chacun. Oui. Ah oui. Il faudra que tu viens un peu sur ta droite. Ouais. Je pars sur ma gauche pour Raze. Ok, je vais passer entre toi. Attention, Darky, maître Dark Gim. Je sais pas comment le prononcer. C'était pas loin. Il y a touchette. Ah non, il n'y a pas touchette. Non, même pas. Il n'y a pas touchette. Pourquoi il y aurait touchette? Philippe. Oh putain. Ouais, c'est bon, t'inquiète. T'es vu? Je sais, je sais, je sais. Mais si tu peux Merde juste revirer vers la droite. À gauche, Nico, Nico, ouais, pas à ta gauche. Je vire. Non, pas à gauche. Complètement à droite. Oui, mais je peux pas virer et je pouvais pas virer pour le moment. Il y avait Philippe sur la droite. Oh, trop de fumée. Ouais, trop de fumée. Je suis bien d'accord. Quand je le dis, vous vous moquez, mais ensuite vous êtes d'accord. Oui, mais parce que j'ai résumé. Tu sais hein. Comment tu tires. Les canards sont difficiles. T'as pas trop de vitesse, Philippe, pour pas qu'ils viennent t'aborder. Reprends un petit peu sur ta gauche. Ouais. Ah, j'étais parti pour faire un empannage. Ouais, mais au moment où tu vas te retrouver quasiment. Fais gaffe, Philippe, t'as une. Ouais, j'ai vu. Sur ta droite. Bon, ça va, tu prends pas. Par contre, esquive-toi parce que je vais tirer. Et je tire à la Osiade. Hein. Ok, je repars en. Je reprends le vent. Ouais, ouais, reprends le vent là parce que ça devient un peu dangereux. J'ai l'impression que t'en as peut-être mangé un ou deux. Je m'en excuse. Oui, j'ai. J'ai le feu sur mon navire. Mais c'est. C'est rare. Ça n'est pas moi parce que je n'ai pas déclenché de feu. Non, j'ai vérifié sur contrôle L, c'est pas moi qui t'ai eu. J'avais une information contradictoire, c'est que je tirais bien sur le mec qui était à ta droite. Mais c'était les stats de ton navire que je voyais puisque t'étais juste en avant-plan. Mais là c'est vrai que je suis un peu trop au milieu du bordel hein, clairement. Oh, t'as tapé. Ah putain. Oh la vache. Putain mais pourquoi l'IA elle stoppe là comme une conne. Non il est en train de se. Oh je me suis fait engager. Ouais. Attends j'arrive. Et où? Il est sur notre droite. Ouais, faut que tu dégages de là. Et toi en défense. Faut que tu vires à gauche dans ce cas. Tu vireras à gauche, tu repartiras s'il te coule putain, pas. Ouais. Attends, il va se faire. Il va se faire. Il est déjà je suis abordé, hein, je suis abordé par Jean Ramsey. Ah putain, en plus on va être lent à arriver. Mais c'est pas très grave, hein, les gars, hein. Vous en faites pas. Hein. Mets-toi en def hein, autant que possible. Essayer d'arriver. S'il claque une attaque, def. Être compliqué là. Ouais, en plus il a que 120 mecs hein, sur un rat là. Et des ménageurs de l'Ouest. Salut. Des ménageurs bretons. Bonjour, c'est pour un déménagement, c'est ça. Bonjour, c'est pour transporter un navire. Je sais pas si ça marche, mais
Vous souhaitez relocaliser votre activité? Ah, les mecs, ils l'ont fait. C'est bon, ils l'ont fait, j'y crois pas. Tu peux repartir? J'arrive pas à désengager, quoi. Attends, je continue à pousser un peu. Si, c'est bon, tu remets les voiles, là. Allez, putain, recentrer. Ah, il revient, attends. Putain, ouais, mais normalement, mais dégage, il a 45 secondes. Normalement, tu peux te barrer là, je pense. Hein. Mais j'arrive pas à disengage. Je vois rien à finir, c'est quoi le bordel? Oh putain. T'es toujours engagé là? Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est chelou, par contre. On l'a mis à 300 mètres là. Surclouf, je passe à ta gauche. Ça marche. Et plutôt loin quand même, ouais, c'est bizarre. Escape to close, non, c'est bon. Oh la vache, je suis désengagé. Et ça, remets les voiles et reprends la distance. Et appuie sur. Appuie sur 5 et. Ouais, je repars ma coque. Non, non, c'est pas la coque 5-2 pour réparer le Beaupré. C'est les voies là. Ok. Mais où, le bordel? Oh mon dieu, c'est tellement le bordel. Un peu là. T'as remarqué aussi? Ouais. Oula. Ouais, la mêlée est bien dense là. Oh bah allez, ça fait plaisir. Ah putain, j'ai que des séniles. Ah, j'ai plus aucun contrôle de mes vergues. T'as combien de, t'as perdu combien de mètres de mon équipage? Il lui restait 60. Ah, 60, ça va être compliqué. Ah, hein. 60, la dernière fois que j'ai vu. Ah, faut que je les remette en sailing, putain. Évidemment, quoi. J'aurais médiqué, tu peux pas les utiliser en bataille, non? Ça marche pas, ça. Si. Je sais pas. Y'a pas de touche. Ah mais il fallait que je vide mon boarding. Non mais c'est, il y a toujours que les trois reapers normaux là. Oh mon dieu, cette situation. Il y a beaucoup de rouge autour de moi là. Oui, c'est un peu pareil, moi j'en ai je sais pas combien au cul là, il va être long. Lâche un peu la grappe. Non, les dieux. Oh non, mais je suis plein de balles, donc il n'y a pas grand chose. Bon, c'est bien pour ton troisième jour, tu te gères un abordage. Non, non, Philippe. Nickel, mais ce coup de déménageur breton, c'est épique, les gars. C'est génial, déconner. Ah, là, le double bélier là. J'ai pris la photo où il te dégage. Bonjour, ah ouais, c'est énorme. Énorme. Breton. C'est travailler l'entraînement. Absolument. Ah ben Ah bah ça, il y a des pertes hein, on peut pas mettre sans passer les deux. Hein. Oh la vache, putain. Style. Oh, bah, super cher. T'es où là? T'es pas seul, je te... T'es pas d'ailleurs, viens de cacher
Dégagement éventuellement, hein. Ouais, ouais, ça y est, je suis en manœuvre de dégagement. Ouais. Je reprends mon arrière là, vas-y. Là, c'est du free for all, gros bordel. Ouais. C'est ça qui est bon. Oh, c'est un bon moyen pour apprendre. Hein. On est loin, oh, putain la vache. Faut prendre un script. Bah, plan F12. De bataille parce que c'est tellement. Ah bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. En fait, il y a une logique. Hein. Sur Plouf. C'était peut-être moi les petits derniers, les deux derniers. Ah, je me disais, c'est marrant qu'il y ait des boulettes de ce côté-là, il n'y a pas d'ennemis. Oh, je pense que t'as touché les voiles essentielles. Bon, ça décante un peu là. Mais le combat de chien qu'on a eu au début là, dans tous les sens. Ça fait une éternité que j'avais pas fait un truc dans ce style là. Ça me rappelle ma première BP contre les Anglais. avec Kirib qui dit. Ouais, vous allez par là, et ensuite il m'engueule parce que je suis allé par là. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Bah, tu m'as. Moi j'ai rien dit, j'avais pas osé. Ah, mais. Ah, je perds pas mon Beaupré, c'est déjà bien. Je suis plus haut. Je voulais pas le laisser passer sur la droite, surtout parce que j'ai un flanc droit assez mal. Ouais, il faut avoir un angle avec un dark. T'as un peu de biais, tu perces pas. Tes boulets vont avoir. Pourquoi Dark Gim en Cerberus, donc il doit. Cerberus doit percer, ça. Il devrait percer quand même. T'as du 9 livres au minimum. C'est la même ouais, chose, mais s'il a un angle dégueulasse, ça va boule. Enfin, ça va. Canon long, ouais, canon long en plus, t'as un bonus long, de percer. Bon, faut tirer de très près par contre. Hein. Ah oui, j'ai fait qu'une assiste là pour le coup. Pas beaucoup de vaisseaux de tombée là pour l'instant. Ouh, t'as claqué un repair kit Philippe ou pas? Ouais. T'as déjà claqué ton repair kit pour la coque? Ouais. Faut que tu te contentes de gérer sur le flanc gauche. Hein. Tu présentes plus ton. tu présentes plus ton flanc droit là. Hein. Je n'arrive. Pas du tout à me dégager de cette bataille. J'ai l'impression d'être le mec le plus aggro de l'univers. Donc tiens, je vais m'occuper de la. Viens sur ta droite plutôt, Philippe. Viens sur ta droite, on va. Non, aller, non, sur la droite, c'est pas bah possible. Non, parce qu'il y a sur ma droite, j'ai exposé mon flanc. Il a un essex. Je te coupe la trajectoire et je te protège. Voilà. Ouais, c'est bon. Allez, je vais reprendre les sexes, je vais l'engager. Putain. Et là, je vais retomber sur Surplouf. Surplouf, tu gardes le cap Ah bah, je vais partir à gauche, là. Par exemple. Remarque, ils vont faire touchette. Ils vont faire touchette, là. Il y a touchette, je parie. Puisque tu repars à gauche, je repars à droite. Il y a touchette. Je l'avais dit. Oh, regarde, c'est mignon. Ils se font des bisous. Qui ça? Ah ben, les deux navires qu'on poursuivait sur Plouf et moi. Sur Plouf et moi, on s'est évité. Et les deux navires adverses, ils se sont touchés. Ils avancent. Ah, je suis coulé.
Bye. Pourquoi t'es coulé? Ah bah je sais pas. J'ai pas compris. Bah non, t'avais de l'eau dans la cale. Ah t'avais peut-être des leaks, ouais. Ouais. Est-ce que ça se remplissait de bleu à gauche en bas? Ah bah c'est ça, c'est l'eau dans la cale. Ah ouais, c'est possible, c'est possible. Ah oui, ça c'est un détail. J'ai à gérer mon crew là entre les différentes réparations, le gunnery, le sailing. Quand ton orbe à gauche elle se remplit de bleu, c'est l'eau que t'as dans la cale. Ok, cool. Cool information. Vaut mieux apprendre ça en Rattle Snake que quand tu seras en premier rang. C'est clair. C'est clair. Ah, putain, ils m'ont pété le rudder, c'est con. Et du coup, il y a un mode free view, quoi. Ouais. Normalement, ouais. Ouais, tu dois pouvoir utiliser ouais, les boutons bon. Pour. Ça marche. Clic ouais, droit bon. Ou clic gauche pour changer des. Ou te déplacer. Enfin bon, bref, il y a moyen de rester. Une molette pour te déplacer plus ou moins rapidement. Molette haut pour accélérer, je crois. Yes. Putain, ça fait bien souffler un petit moment quand même. Oh, putain, il manque un poil pour le finir celui-là. Mais quel type de poil là? Un poil de cul ou un poil pubien? Un poil de nez. Le plus épais. Je sais pas lequel c'est, celui-là et toi, mais. Et je veux pas le savoir d'ailleurs. Alors, Lou, tu fais quoi? Tu fais quoi? Bon, je vais sur ta droite. Hein. Je me suis fait poule. Ah merde. Oh, putain. Non, c'est pas très grave. Les déménageurs de l'Ouest arrivent. Ah bah attends, peut-être pouvoir te sortir de là. Ouais, j'arrive. Bah attends, on est contre le vent, hein. C'est plus la même. Hein. T'inquiète pas. Il y a Charo qui s'approche. Et boum! Mais je suis pas sûr que ce soit un déménageur breton, ça doit être un déméco celui-là. Oh, il l'a bien bougé quand même. Il suffira peut-être pas, mais. Oh! Ah, du coup, je vous conseille l'expérience. D'hommes morts, hein, enfin de bateaux coulés, hein, parce que. Oh non! Mais t'inquiète! Pas, hein. Cool, hein. Mais t'inquiète, hein! Ça arrive à tout le monde, t'inquiète! On l'a déjà vécu, hein! Ah! C'est plus embêtant! On veut des noms! C'est qui? Ah bon? T'as perdu un Pavel? Attends, j'augmente le volume parce que j'entends pas. Tu peux répéter? C'était à l'époque où j'avais modifié les. J'enregistre. Comment t'as perdu un Pavel? D'accord. Fais gaffe, Dark, je vais virer à droite parce que je veux pas présenter le flanc droit au ship qui arrive en face là. Ok, Lou, tu gères le désabordage? Ouais, je suis au troisième round du. Tu m'entends, Dark? Ouais, ok. Mets ta voile arrière dans l'autre sens, va t'aider à tourner si tu veux tourner face au vent. Tiens, puis je vais plomber la frégate qui t'aborde aussi là, hein. Ça me fera des points. Je sais pas si je vais réussir à l'emmener, j'ai pas besoin de casser. Non, mais c'est bon, c'est bon. J'avais lancé le. Le disengage. Oh mon dieu. C'est dommage, il manquait un tout petit peu de vitesse, j'avais réussi à bien accrocher là mais.
tu t'as tourné, Dargim, j'ai pas suivi le... Effectivement, ouais. Oh, 5 fuites sur un Niagara, c'est bien ça, ça compte pour quelque chose peut-être. Pour 5 fuites déjà, je pense. Fais gaffe, je vais virer, je vais te rentrer en plein dedans là, Nico. Ok, bon, je vire. Bah, je... Oh, magnifique, ouais. Regarde ce qu'on va faire, voulais... c'est trop beau. Bah, reste sur la droite, sur ma droite du coup, enfin, bah, sur ta gauche à toi quoi. Je veux pas présenter tout l'endroit en fait. Triskel breton, c'est un signe. Ah, c'est Charo, c'est Charo. Oh, screen. Il est pris, je te jure, il est beau en plus. On est complètement déglingué de la tête quand même. Hein. Ouais. Parce que pour sortir les déménageurs bretons, je te jure. Allez, ça. Ouais, bah faut se faire plaisir aussi. Hein. Et sur Plouf, ça donne quoi? Ah non, mais moi c'est bon. T'as perdu l'abordage? Non. Non, mais en fait, il m'a abordé. Honnêtement, je pense que j'aurais pu tenter de le. De fumer. J'avais juste pas assez de prépa. Mais il avait quasiment autant d'hommes que moi. Je t'entends pas très bien sur Plouf. Attends, faut que j'augmente le volume de TS. Je disais, j'aurais pu en fait tenter de le cap. Mais le truc, c'est que j'avais pas de prep au moment quasiment. Enfin, j'en avais à peine. Ouais, c'est trop après 3 plombs bas. Mais il a perdu autant d'hommes que moi quasiment. Et donc c'était bon. Ah putain, mais j'ai pris une assist quand même. Ah, ben voilà monsieur. Ça permet pour rien. Et puis je peux vous dire que là c'est vraiment du groupe de haute volée, parce que regardez ce qu'on a perdu et ce qu'on a perdu. C'est carrément pas la même histoire que la fois précédente. Hein. Ouais. C'est sûr, hein, quand on leur tend un rattlesnake et qu'ils s'acharnent dessus. Ah ouais, non, mais là, une fois qu'ils m'avaient aggro, c'était hallucinant. Hein. Je me prenais toutes les volées. Quoi. Ah, généralement, ils ont tendance à focus. C'est pour ça que généralement, au début des fights, les joueurs en vaisseau plus faible se mettent sur la droite de la formation. Bon, quand nous, on n'a pas de formation. Parce qu'ils visent les vaisseaux les plus endommagés, bien souvent. Ouais. Moi j'ai un petit bloc-notes là, j'ai marqué ne plus suivre Lou en début de bataille. Joe, t'as enregistré quand il a dit que ça allait bien se passer hein. Ouais, t'inquiète, je vais te les créer les occasions, ouais. Je vais te créer des occasions, t'as vu les occasions, hein. L'occasion de couler. Les occasions de faire pop les déménageurs bretons. Je crois qu'il a vraiment pris des occasions, mais il les a pris dans la gueule. Hein. Ah, je les ai bien sentis, tes grosses occasions. Ouais. Tu la sens, mon occasion. Hein. Ça, c'est de la mauvaise foi parce que tu m'as pas du tout suivi. Remarque, s'il t'avait suivi, il aurait peut-être été à ma place et il serait peut-être pris l'espèce de bloc que tu m'as pris dans la gueule. J'avais vu qu'il me suivait pas à ce point-là et j'ai vu que toi t'étais... Non mais c'est effectivement, c'est de la totale mauvaise foi, évidemment. Non mais bon, prends ton XP, c'est vrai qu'une fois que tu seras en surprise, ce sera vraiment plus du tout la même, quoi. Mais, je te rassure, Sly, la mauvaise foi fait partie intégrante de la guilde. Ah, c'est un perk principal de la guilde CPC1. C'est ça. Je crois qu'on vient d'inventer une légende à Lou. T'es nouveau, suis-moi, je vais te créer des occasions. Le mec qui coule dans les 5 minutes. Ah là 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 là. C'est pour ça qu'on parle du grand méchant loup. Ça. C'est plus d'XP après pour moi. Le mec est ma concurrent depuis à peu près 6 mois. Mais mon officier, non. Ah, c'est vrai, pardon.
redair rouge. On quitte. Bon, enfin, tu sais, moi, avec 230 membres d'équipage, pas grand chose. Ouais, mais le problème, c'est la douloureuse derrière, ça va lui coûter 500. T'en avais combien au départ? 300. Alors, je crois que j'en ai 315 avec le extra mode gold. Ouais, ça va te coûter. Ouais, ça va te coûter 50 000, ça. Enfin, bon, c'est pas comme si l'argent était. Surplouf n'est pas quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Alors, si, figure-toi, c'est avec tous les contrats que j'avais posés. Oh merde, je l'avais pas eu. Il y a avant la cessation de mes activités, mais là j'ai 5848 sur mon compte. Ah ouais. Bah tu pourras prendre dans la banque de guild. Ouais, non, mais t'inquiète. Non, mais j'ai chopé 40 000 là, sur celle d'avant. Ouais. C'est adoré, allez. Puis j'ai plein de chips à vendre. À la guild, évidemment. Bien sûr. Non, mais ce discours d'ACR. Pardon. Bisous, ouais. Charonia. Il joue toujours d'ailleurs le Charo ACR. Non, je crois qu'il. Parce que sur non. Steam, je l'ai pas vu beaucoup de jeux. Non, c'est Tadaka là qui gère le. Qui il, gère est le... Sur, il est sur. Il est sur Tadaka. Gérer la diplo, qu'il a l'air de faire ça plutôt bien par contre. Tenaka, ouais. Je l'apprécie beaucoup pour le peu que j'ai joué avec lui. Hier il est venu me parler par rapport à toutes les affaires de pirates de Danois et compagnie. Il est bien, il est là. Je pense qu'il est vachement moins sanguin que Charonia. Ah, c'est possible ça. Alors, par ça contre, doit pas être compliqué surtout. Par contre, pro tip, ils ont une boîte à meux qui fait plein de paroles de films. Il faut pas leur demander de faire une. Ça faut pas. Sinon vous partez sur 25 minutes et Kuro il fait 3 crises cardiaques. Ouais. Ah non, ouais. Non, ça aurait duré 30 secondes. Le temps qu'il fasse son café. C'est quoi, c'est une minute là pour que ça repasse en gris le rudder là? En jaune, ouais. Peut-être que faut pas se faire retaper aussi pendant le temps. Bah là, je suis vraiment à l'écart parce que j'avais besoin de réparer, mais. Ouais, franchement, les rodeurs sont sensibles qu'avant. Quoi. Il est dans le rouge là, et puis en plus, j'entame un virage face au vent. Ah ouais, bien. Avec un rodeur rouge. Avec une renommée qui va peut-être aborder. Il est en train d'aborder. Ouais. Ouais, mais vous avez pas fait un obscur sigle breton. Un obscur sigle breton. Mais c'est parce que j'ai oublié le nom. Presqu'elle. Hein? Ouais, je vous ai vu. Oh putain, Elisabeth. Regarde ça comme c'est beau. Il y en a un qui est en train de capturer un navire. Mais bon, je suis juste à côté, je me prépare à poutrer le navire. Bon, c'est bien, ça fera un kill en plus. Oh, fou, j'ai coulé celui qui m'a abordé. L'honneur est sauf. Ouais, la pratique veut qu'on coule le navire qui nous aborde, hein, Philippe. Je connais très bien le responsable des RH dans ce clou. Bah non, ça revient pas, hein, ça, le putain de rudder là. Non, mais tout à l'heure, moi je te dis, j'étais en jaune et. J'ai rouge, hein. Par contre, il fonctionne encore un petit peu, mais vraiment. Faut manœuvrer avec les voiles vraiment dans l'urgence. S3. Il est mort là. Rien sur nous, on est là-bas. Ouais, ok. Ça va couler, hein. Il y a une frégate à poil et une renommée à poil. Ouais, il y a deux frégates à insérer, mais je pense que les trois sont à poil. Jean Ramsey reste un petit peu tapé quand même.
femme caisse. Ah, il y a Dargin qui a l'air d'avoir un problème. Ah, mais je sais pas où il est. Bah, je l'entends plus. Je croyais qu'il était sur TS. Bah, moi aussi. Ah, il, il a dit qu'il laguait. Ah, oui. Alors, il nous entend. Ah, c'est pour ça. Il doit nous entendre, il doit pas parler, je pense. Oui, j'ai entendu sa voix. Ouais, donc, oui, ça n'est pas une légende. Aussi, mais... Un truc, moi j'étais à Perpète en train de courser une Renault. Donc... Oh bah putain, ça fait du bien de récupérer son rudder, hein. Avec aussi tour pendant 3 ou 4 minutes sans rudder. Il est revenu tout seul du coup, hein. Non, non, j'ai été obligé de claquer mon machin. Ah ok, d'accord. D'accord. Pas de problème, Guim. Enfin... À son âge. Oui, mais j'attends qu'il se connecte et puis qu'il me dise comment on le prononce. Mais il l'a dit tout à l'heure. J'ai pas entendu à ce moment-là. Allez, sur le quai est aussi un problème à un moment donné quand même. En fait, c'est IGM. Oui, IGM et Darkinir. Dark IGM. Dark IGM. Ah, on prononce comme ça. Si on me le dit pas, forcément. Hein. Ah, désolé. Non, je plaisante, t'inquiète. Hein. En tout cas, moi j'ai plus souffert sur ce combat que sur l'autre. Bah forcément. Bah ouais. Forcément, hein. Sur l'autre, la moitié de l'équipe m'a tiré dessus. Après, ça peut être aussi qu'il y avait un ou deux vaisseaux plus costaud. Hein. Ouais, ça puis devrait pas prendre le mauvais aggro, mauvais moment. Bah pour le coup, je crois qu'on est pas mal à avoir pris cher, parce que moi j'ai pris cher aussi. Hein. J'étais obligé de la caméra et pas. Hein. Toi t'es pas bon. Là j'ai beaucoup moins cher moi que... Ah non mais il y a un moment j'avais le flanc droit Il me restait un tic et sur je pouvais pas tourner parce que sinon je voyais il y avait que du rouge quoi. Ah ouais c'est vrai, pareil pour tout le monde je crois. Mais... pas comme suivre Dark comme ça, on aura pas de soucis. Ouh putain. Chacal, ah non 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 non. Ah non non c'est pas juste ça. Qu'est-ce que... Il va exploser. Oh putain, il va me péter à la gueule, le con. Coulez-le, coulez-le. Ouais, je vais passer sur sa droite, là. Je vais passer sur sa... Salut. 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 Yo. Formidable. Oui. Oh. Ah bah ça faisait un petit moment dis donc. Un revenant de plus. Ouais. Non non, il était présent régulièrement, formidable. Hein. Parce que nous. Il est en train de courir. Et donc il reste une frégate. Ouais, je suis dessus et avec un peu de chance, prochaine salve. Genre à l'autre bout du monde là-bas. Ouais ouais mais elle est en train de d'aborder un... Un IA. Une IA donc je suis à côté de l'IA aussi comme ça je pourrais couler l'IA. Ouais ouais. Ah oui on a tous bien morflé quand même dans l'histoire. Ça va. On a pris un peu trop à la légère ce combat en fait. Oui. Ah, on a clairement pas réfléchi quoi. Pourquoi un petit peu à la bourrin?
Complètement. Ah. Tu comprends les passages. Oui, parce que les déménageurs bretons, est-ce que tu... Et, Joe, est-ce que tu peux isoler la phrase bonjour, c'est les déménageurs bretons, et puis en faire un sample. Parce que ça va rester là. Ouais, j'avoue, ouais. Et d'ailleurs, je tiens le titre du compte rendu ce soir. Bon. Je tiens le titre du compte rendu ce soir. C'est une flotte ? Non, ce sont les déménageurs bretons. C'est marqué, hein. Ah bah, vu de chez moi, c'était épique, hein. Quand tu vois ce gros tas. En plus, l'avantage de le prendre à deux comme ça, c'est que tu le pousses vraiment, quoi. Tu te fais pas juste pivoter. Il y en a un qui a explosé là-bas ou quoi ? Non ? Je sais pas. Ah, il y a... Non, il vient de lâcher sa bordée, non ? Ouais, pas loin. Là où il y a de la fumée, là ? Pas ça brûle, là ? Oui, je viens d'en foutre en feu, là. Ah, ça brûle dur, même. Pas de loin, en tout cas. Ouais, mais vous êtes loin. Oui, bon, il est... Il est coulé. Non, mais... Oh, bah, il... Oh, oh là. Il va avoir du mal. Je la voyais sous l'eau, là. Bah, je te confirme qu'il est sous l'eau, là. Ah ouais, mais les boardings, ils s'interrompent pas, en fait, quand c'est Lina, quand il... Même si le mec a coulé, le boarding, il continue, quoi. En même temps, tu peux imaginer que t'as toujours des mecs sur le vaisseau, et puis... Ouais. C'est bien parce qu'il va espérer partir en c'est quoi, Cerberus, Roger Ackorn. C'est un Cerberus, ouais. Il reste pas 78 membres contre 4. Ah ouais, le Cerberus va se faire avoir, je pense. Hein. Ah mais je viens de lui pourrir. Je viens de lui pourrir 75 crew, donc ça l'a un petit peu refroidi dans ses ardeurs. Nice. Effectivement. D'explosion, vous voyez ce que je vous offre. T'en as bien tiré, Nico. Ouais, nickel. C'est nickel. Est-ce que tu crois qu'il est toujours en train d'aborder là? Il aborde un peu moins, je crois. Comment il a pris cher le bateau à côté, quoi. Comment pourrir un abordage. Voler tous ses mains, quoi. Oui, mais il est toujours vivant et du bon côté. Et ben voilà. Bon, on va pouvoir passer au port. Ouais, je crois qu'un port s'impose. Ah oui. Ça intéresse quelqu'un, un mousquet, un pistolet gris? Non, merci. T'avais pas ton rattlesnake, c'était celui à une dura? Non, c'était celui non, à c'était un bon de crafté par nous. Oh bon, donc t'as encore 4 dura. Il y a des bruits devant moi. Il y a des brides devant FR, bah, c'est on bien. Sera trop tard. Bah, on a le vent en pleine face, quoi. Ouais. On était à plein ouest, c'est ça, quasiment Ouais, exactement, plein ouais, ouest. Ouais, donc c'est est.